Je déclare donc ouverte cette cérémonie de la trêve de Noël. Et je vous demande de faire un triomphe à la délégation gauloise avec à sa tête, en pole position, le chef Abraxit.
cérémonie de la trêve de Noël reprend son cours avec l'entrée d'un hôte de marque venu tout droit du lointain Moyen-Orient. Voici le précieux marchand phénicien Épi de Maïs. J'ai plein de petits bâtons pour faire des jolis cadeaux. Et tenez, il en forme des parfums d'Orient. Harissa et patchouli. Paché. Allez, cousin, pour offrir à ta moustrie, j'ai été fait à 5 sesterces les deux enfants. Et je te rajoute un bijou fantaisie. Un peu plus fantaisie de bijoux, mais bon, c'est joli. Allez, des matés, des lacets, j'en ai. Du thé à la mate, oui, j'en ai. Tout ce que tu veux, je l'ai. Et si je l'ai, je le vends. C'est quoi ça? Des chapeaux sans poche. Les autres Afriques, pendant la fête, ils allaient échanger aux appétits moins noirs. Ils sont au poil. Marcassin, droite et forêt, que j'aime la foule. Thank you.
Alors, une dépêche m'apprend que le bateau des pirates a été coulé par un iceberg. Ah, eh bien voilà un qui va profiter de l'occasion. Toujours prêt à faire son intéressant, l'impétueux Goudurix. Ce jeune comme gaulois, les dents longues, m'énerve celui-là, m'énerve.
Là, c'est un coup de théâtre, ou plutôt un coup d'arène. Les légionnaires romains en formation de tortue en pleine trêve de Noël. Ce sont vraiment des traîtres, des félons, des romains. Thank you.
avec des roulottes du monde entier qui regorgent de merveilles.